aperçu des rennes pour en fait aller identifier quelques éléments donc d'art pariéto, et on reviendra là-dessus pour revenir avec la réinterprétation faite par Jean-Pierre Sergent avant de vous renvoyer sur la vallée et autres beuveries. Ici, on est vraiment en amont en fait du ravin du Pinoir, amont du Pinoir, là où il a fait à peu près une dizaine de tableaux. Avec des tableaux qui sont à Baltimore, à Washington, à Orsay. À Buenos Aires. Voilà. Des éléments qu'on appelle des éléments claviformes, hein, en forme de clavette, qui représentent en fait une fente avec un élément souple sur la partie basse. Donc ça, c'est des éléments forts qu'on va retrouver dans tous les habitats paléolithiques, qu'on va retrouver dans les sites de Lascaux, qu'on va retrouver dans le tube dans l'Aisne. Enfin, tous ces éléments, la grotte des Trois Frères, pour ceux qui connaissent. T'as mis la photo là, il va la mettre là-bas. Ouais, le verre, il a faim, c'est tout. Ça, c'est possible. On sait que t'as faim, le verre. Donc, quand même, on va bouffer à l'œil sur plastique. Il t'aurait téléphoné, on serait venu. Hein. C'est Rassel, il a fait. Ah, qui était venu, pas de force. Comme à Saint-Léonard, sympa. Vous avez vu du monde? Ah, on a pensé à la télé, il y avait plein de monde.